On est reparti pour la suite de Kingdom Hearts. Je vous avais laissé en pleine cinématique, je suis désolé pour la VOD, vraiment. Mais il fallait s'arrêter. À un moment donné, il faut savoir des stops dans la vie. Et là, c'était le moment. Bref, allez, vous êtes chaud, on continue, on reprend. Bon, on avait Mickey qui poursuivait Xehanort. Je trouve que c'est très moche comme nom, mais bon. Apparemment, il ne s'appelle plus comme ça maintenant. Enfin, il ne se fait plus appeler comme ça. On y va. He's gone. Et on ne saura pas ce qu'il y a en fait. Parce que nous on n'a pas pu passer. La douille. Au moins on arrive à la forteresse, c'est déjà ça. Ta-da-da. Petit souci de micro. What's going on? Ah non, c'est comme d'hab. Way to fall right into their trap. Non, c'est bon, ok, nickel. Come on, it's a setup by Organization 13. Xemnas is using you to destroy the Heartless. That's his big master plan. Xemnas? Oui, Xemnas, c'est Xehanort, quoi. J'ai bien compris. The guy you just saw. Voilà. He's their leader. Got it memorized? X-E-M-N-A-S. Organization 13 wants to get rid of the Heartless? Man, you're slow. Every Heartless slain with that Keyblade releases a captive heart. That is what the organization is after. So what are those guys gonna do with the hearts? I'm not telling. Tell us! You! You're the one who kidnapped Kyrie! Bingo. The name's Axel. Got it memorized. Bah, Axel a déjà vu Sora plusieurs fois dans Chain of Memory, mais l'inverse, non. Enfin, je crois, à moins qu'il était sur la phase avec Riku, je sais plus. Just tell me. Look, about Kyrie, I'm sorry. Axel. Uh-oh. We'll ensure he receives the maximum punishment. Care about any of that. Just let me into the realm of darkness, okay? If it's Kyrie you're worried about, don't. We're taking very good care of her. Take me to her. Is she that important to you? Yeah, more than anything. Show me how important. Je l'aime. Oui, je sais que Sora a perdu ses souvenirs, les gars, me refaites pas Chain of Memory. Je suis au courant de ça. Donc je sais que Sora ne reconnaît pas Axel, je dis juste qu'Axel lui connaît Sora, c'est tout. So you really do care for her. Oh non, non, Sora, non. In that case, the answer is no. Voilà, merci. You run. Are you angry? On a atteint un stade de pitoyable de Sora là, on pourra difficilement faire pire, les gars, je pense. Allez. Pitiful heartless, mindlessly collecting hearts. Sers-toi de ta rage plutôt. And yet, they know not the true power of what they hold. The rage of the Keyblade releases those hearts. They gather in darkness, masterless and free, until they weave together to make kingdom hearts. And when that time comes, we can truly, finally exist. What in the world do you think you're prattling on about? Qui parle encore? Ah, putain, maléfique. Si, mais le problème c'est que là on sait très bien que ça ne va pas marcher. The heart of all kingdoms. The heart of all that lives. A dominion fit to be called Kingdom Hearts must be my dominion. Maleficent, no! No more Heartless! I do not take orders from you! Fool. Oh no!
these creatures at bay, you devise a way to vanquish them forever. Maleficent. Do not misunderstand me. I shall have my revenge on you yet. C'est n'importe quoi, un coup on collabore avec Maléfique, un coup on collabore avec l'organisation 13. Leave now. I don't take orders from you. But what about... Now then, where did we leave off? Allez. Which side are you guys on anyway? The Heartless ally with whoever's the strongest. Ils ont une très légère trêve. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, moi je suis 100% avec l'organisation 13 et jamais avec Maléfique en fait. Hein, yes, Sora. Extract more hearts. Même si l'organisation 13 c'est peut-être pas bien ce qu'ils font, je suis à choisir entre les deux, je trouve l'organisation 13 100 fois plus stylée que Disney méfiant. Pardon, mais vous savez très bien que les persos Disney dans ce jeu ils m'emmerdent plus qu'autre chose. Alors que l'histoire de l'organisation 13 m'intéresse. Qu'à choisir, je préfère largement l'organisation 13. Maybe everything we've done, maybe it was all for nothing. J'ai jamais collaboré avec l'organisation. What am I supposed to do if I can't use the keyblade? On les croise, on discute, on machin, quoi, il y a une trêve. Imbeciles. You can't be trusted to do anything. Huh? Rapport d'Ansem. Arrête de bloquer au fait que Maléfique est un perso Disney. Ah, je me bloque pas au fait que c'est un perso Disney, je me bloque au fait que Maléfique est un perso de merde en fait. Point barre. C'est dans Disney, c'est un des persos les plus nuls à mon sens. Dans les films Disney déjà. Et dans le jeu, elle est nulle de chez nulle en fait. Il fallait la laisser crever, on s'en bat les couilles qu'elle soit revenue. Enfin, moi perso, je m'en fous total de son histoire à elle, tu vois. J'aurais préféré qu'il y ait d'autres méchants Disney à la limite si vous vouliez vraiment des Disney. Sora! Donald! Goofy! Relax. Relax. Et par contre, Mickey, vous en battez les couilles. Hein. Parce qu'il était avec nous au départ, vous savez pas qu'il est parti. He's a lucky kid. La musique, le thème de l'organisation pendant 5 minutes, qu'est-ce que tu en as pensé? See you soon. C'était pas mal, c'était mystérieux. Du coup. Sora knows the truth now. The more heartless that he defeats, the closer he is to becoming our perfect puppet. Jafar aurait été limite mieux comme je pensais. Mais carrément! Évidemment que Jafar aurait été mieux. Will make him that much harder to control. What does it matter, really? Whatever his circumstances, Sora has never been able to help himself from saving people from the Heartless. It's what his pure little heart wants. There. The dice have been cast. Non, Hades, c'est trop... a trop un côté comique pour être un vrai bon méchant de fin d'un jeu comme ça. The dice aren't in your favor. It will share Demix's fate. The fun is in not knowing, isn't it? What is the point of betting on something if you already know the outcome? Are you sure that defeating him won't derail the organization's plan? If he is to die so easily, he is of no use to us. That's exactly what I wanted to hear. It's not in my nature to hold back. I guess sometimes help comes from parfois l'aide surgit là où on ne l'attend pas. Ça c'est sûr. Bon alors, où est-ce qu'on va du coup maintenant? Ah oui, déjà ils vont nous expliquer ce qui s'est passé. Maybe everything we've done, maybe it was all for nothing. What am I supposed to do if I can't use the keyblade? Imbeciles. You can't be trusted to do anything. Déjà il dit la keyblade alors qu'à chaque fois il en a des nouvelles.
Xemnas est bien plus charismatique que Ansem. What's ouais. This place? It must be the realm of darkness. Kairi, Riku. Oui, c'est une nouvelle apparence, je sais, c'est pas des nouvelles, mais vous m'avez compris. Il y en a plein, quoi, au final. Les persos dont on connaît le visage apparaissent maintenant sans capuche dans le truc qui ressemble vite fait à un conseil. Oui, j'avais fait le lien avec ça. Ah, Roxas et la petite glace. Gorge, it's the gang from Twilight Town. There's Hainer, Pence, Olette, and, Roxas. No, the name just popped into my head. This is Roxas. Ça commence à lui revenir. Are you sure you want to eat that? Salty? No, sweet! Ouais, il attache des porte-clés qui changent la Keyblade, ouais, je sais. Donc on va finir le monde. Voilà. La glace qui sert de serrure, quoi. Très bien. Bon, une bonne chose de faite. Not yet. I gotta look for Kairi. La glace, une glace délicieuse et rafraîchissante à souhait. La photo. Ok. Photo et une glace. Peut-être une espèce d'indice, mais qui a bien pu laisser ça pour nous. Riku, tu crois? Juste un pressentiment. Ça y est, on y est presque. Mais si les sans-cœurs réapparaissent, je ne peux plus utiliser la Keyblade. Ça ferait quitter l'organisation. Sora, je crois que tu dois quand même t'en servir, sinon les sans-cœurs continueront à voler le cœur des gens. Alors. Donc là, il n'y a qu'une seule serrure, on le voit en haut à droite. Je sais pas si, ça y est, si c'était indiqué au début ou pas, ça, mais en tout cas, là, je viens de le voir. Regardez, là, il y a trois serrures. Tu vois ? Là, il y en a deux. Putain, je crois que je suis en train de comprendre ce qu'il va falloir faire. Oh non. Ah, par pitié, ne me dites surtout pas ça. Oh, what ? Il s'est passé quoi là? Attends. Problème. Il y a un problème ici. Les mondes avec une lumière qui tourne sont des mondes avec des objectifs à faire. Oh non. Oh pitié, non. What, c'est quoi ça? Non. Oh non. Vraiment? Je dois me refaire ces mondes? Je me doute que ce sera différent, mais je dois me retaper les mondes? Quoi? Oh non! Putain, sérieux? Oh putain, mais comment rallonger un jeu, quoi? Oh, je suis dégoûté. Aller au meilleur, hein, mais j'espère que ce sera plus court en fait. J'espère juste ça. J'aurais aimé qu'ils créent des nouveaux mondes plutôt. Donc là, en fait, ça y est, on a fait le tour des mondes quasi, quoi. Ça vient du port.
Allons voir ce qui se passe. Alors, ça vient du port, allons voir ce qui se passe. Attendez, je vais récupérer ça. Récupérer ça. Très bien. Du coup, ça vient... Ah, attends-toi, là. Ah! Ah merde, je peux pas... Attends, je peux peut-être lui vendre des trucs. Ouais, je sais, j'ai vendu un truc de fou, mais... C'est pas grave. Objet. Dingo. Étoile filante. Ah putain, je dois tout lui rééquiper, par contre. Hop. Ah. Dingo. Donald. Ok. Allez, on y va. On est parti. Laissez-le faire dans l'ordre qu'il veut. Pourquoi? Parce que je suis pas censé aller à celui-là. Bah, au final, s'ils tournent tous, c'est que voilà. On va voir, on va voir. Jack! Zola! Some assistance? Zola! That's Sora, Donald and Goofy. Will you leave a mate to perish? Aïe, aïe. La tête. En fait, si je suis allé à celui-là, je vous explique, c'est pas pour une histoire de difficulté ou quoi, j'en sais rien. C'est juste parce que c'est le seul qui me motive un minimum parce que il est très cool, en fait. C'est mon monde préféré. Ça me fait déjà suffisamment de chier de retourner dans les mondes. Mais ouais, franchement, je trouve ça vraiment, pour le coup, alors là, vraiment, je vais vous faire un avis, du coup, a priori, à mi-parcours, de ce que j'ai compris, du jeu. J'aime vraiment beaucoup le jeu par rapport au 1, mais alors le fait de devoir refaire les mondes, ok, le scénar va être mieux, ça va tourner autour d'Organisation 13, ok. Il n'empêche que je trouve ça extrêmement décevant et facile de devoir faire ça. Je trouve ça un peu nul. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je m'attendais pas à ça, en fait. Ces pirates étaient maudits. Je croyais que nous en avions terminé avec cet or aztèque. Qu'est-ce que ça veut dire? Un gredin n'aura sans doute pas su résister à la pâte de l'or. Après, a priori, ça va être plus court. Oh, je vois. Doutez de moi, c'est ça? Eh bien, vous avez raison. Après tout, je suis un pirate. Jack, Sora! Allez, de retour, la greluche. Qu'est-ce que... Elisabeth. Je sens que les ennuis approchent à grands pas. Jack, attendez, j'ai besoin de votre aide. Ces maudits pirates sont revenus. Oui, il est parti pour l'île de la Muerta, afin de vérifier que l'or y est encore. Je crains qu'il ne lui arrive malheur. Emmenez-moi là-bas. En plus, genre, on va vraiment aux mêmes endroits. Genre, ils auraient pu faire des nouvelles zones. Mais non, on retourne à l'île de la Muerta. Si vous voulez aller à son secours, faites-le seul, jeune fille. Seul, vraiment, Jack? Rejoindre l'île et attaquer ces horribles pirates? S'il y a une femme capable de... Tu es sûr qu'il est en danger? Je n'ai pas de certitude, mais il tarde à revenir. Je voulais l'accompagner. Mais il a catégoriquement refusé, je ne tiens plus en place. Je dois m'assurer qu'il n'a rien. Ce garçon ne connaît pas son bonheur. S'il vous plaît, Jack, conduisez-moi là-bas. Un instant. Je ne vois là aucun profit pour moi. N'ayez crainte, je vous récompenserai. Et puis vous avez une dette envers Will. Il vous a sauvé la vie. Exact. Eh bien, qu'attendons-nous? Allez, on y va. Allons-y. Du coup, parlez. L'île de la Muerta. On est parti. Réfugie-toi dans la cabine. Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça. Wesh. Ah, j'ai déjà fait tout ça une fois, donc là, pardon, mais là, ouais. Hop là. Ok, je ressors. On est arrivé? What? Je dois l'en... En fait, je suis obligé de me faire les ennemis pour y arriver.
Merde. J'ai fait une connerie. J'ai fait une énorme connerie. J'ai passé une scène qui devait être importante. En fait, j'ai passé la scène en pensant que ça allait juste passer le moment où le bateau avance. Merde. J'ai fait une connerie. Bon bah j'espère que c'était pas ultra important. Tant pis. Je suis où je suis. Mais c'est pas clair aussi leur histoire. Pourquoi là ça m'a remis là-dedans, je comprends pas. Pourquoi la première fois ça m'a pas mis à l'île de la Muerta? Ah, mais je comprends pas pourquoi la première fois ça m'y a pas amené, trop bizarre. Bref. Ok, bon, c'est bon, on a rien raté visiblement. So it was the organization. We'll handle this. Qu'est-ce que j'ai raté en gros, dites-moi. Drawn to these cursed medallions and this heartless, a veritable maelstrom of avarice. I wonder, are they worthy to serve organization 13? And you want an answer now? Precisely. En fait, je pense qu'on a rien raté finalement. Vu que le truc est là, j'ai pas dû rater grand chose. T'as juste récupéré Will. Ils ont retrouvé Will inconscient. Tout son équipage a été tué par ce mec. Ah merde! Bon, ok. Bon, j'ai quand même Will. Ok. Bon, ouais, du coup, c'est pas grave. Je sais pas en fait, c'était pas clair le fait que ça m'ait pas TP la première fois à l'île de la Muerta. Enfin, je devais me faire les ennemis, ça d'accord, mais il te dit fais les. D'habitude, on faisait les ennemis, et ensuite on arrivait à l'île de la Muerta, ou alors je pouvais aller dans la cabine, mais je pensais que ça nous passait le truc, donc c'est pour ça qu'après j'ai repassé la scène. Pas très grave. Pas très très grave. T'as juste sauvé Will, bon ça va. Tant que j'ai cette scène et ce combat, ce n'est pas très très important à dire. Hop. Merde, j'aurais pas dû faire sursoumance. Ah putain, ouais, en fait il faut que je relâche L1. Du coup je me suis pas bien servi d'Aquilon parce que il fallait que je relâche la touche et j'étais toujours là-dessus en fait. Bon, c'est pas grave. J'ai compris, j'y arriverai la prochaine fois. Hop. Ah c'est ça, non c'est bon là. Ok, frappe horizontale j'ai débloqué. Très bien. It's over. I'm fine. Not over yet. Mais lui on l'a déjà vu. Throw him overboard. Aye aye. Holly. Excuse me. Il invoque pour parler. It's a bit of a pirate's code. Bah oui. Anyone who invokes parley must not be harmed till negotiations are complete. This is no time for rules. True. But as we're honorable pirates, we should always stick. Lui, un pirate honorable, c'est bien la première fois. All right, you. Out with it. I surrender the chest with my humblest apologies. Rather accommodating of you, mate. And for that, you want. Just a few souvenirs. For the memories. Huh? Des souvenirs du futur, tu as peut-être déjà vu une galère sur jeu. Quelque chose pourtant. Our friend's about to learn what it means to cross a pirate. Oh. Le Kraken. Sora, ah non. Donald, Goofy, it's yours. On va s'en faire combien en fait là? Ceci dit, on a Will, donc en fait on a même plus besoin d'aller à l'île de la Muerta. Donc, peut-être qu'on y est arrivé et reparti en fait de l'île de la Muerta, non? Je sais pas. Ah non, on y est là sur l'île de la Muerta, je crois. Bon, je n'ai pas bien compris. Bon, bref, on s'en fout. J'aurais pas dû faire mon ellipse. Mais lui, je l'ai déjà vu 100%. Je sais pas où je l'ai vu alors, mais je le connais 100%. Je l'ai déjà vu. Du coup. Trailer de Cage 3. Ah, ça doit être ça. Peut-être ça, effectivement. Were I only that fortunate? Fortunate?
So, how come you're all skeleton-y? Perhaps I got a touch of something from that monster what attacked us. Yet, why is the skin resting right on you three? Cause we're not greedy! What are you looking at? That still doesn't solve the mystery. Gorge, maybe the reason we're all okay is because we're not from this world. There must be different laws. Yeah. We're always just passing through. Wonder when we'll see home again. Sure. Just kidding you. Bon, au final, la cinématique n'était pas très importante, celle qu'on a ratée. Ça va, c'est comme si on avait raté. Find ourselves a ship that'll float. Par contre, je vais être très franc, hein, mais là, le fait de savoir que je vais devoir me retaper tous les mondes, ça vient de me mettre un coup à ma motivation. Genre, je me demande même si je vais faire une troisième partie ou pas, en fait. J'ai pas envie de refaire les mondes, hein. Je suis désolé de vous le dire, mais j'ai pas envie. C'est horrible, mais j'ai juste pas envie. Et je sais pas si je vais live ces prochains jours, en fait. Enfin, je vais avoir beaucoup moins de motivation. En fait, là, jusqu'à maintenant, je liveais parce que le jeu me plaisait. Voilà, ça va me faire chier plus qu'autre chose. Avant, ils sont chiants à buter à chaque fois quand ils sont dans l'avancée. Aïe. J'avance parce que là, c'est relou. Non. Ok. C'est exactement ça, Super Mémé. C'est le fait que, en fait, j'avais fini, entre guillemets, les mondes Disney, dans ma tête, tu vois. Et là, on était sur un début de truc plus profond, avec la forteresse oubliée et tout. Ça m'avait l'air beaucoup plus intéressant, tu vois, ça me plaisait. Et là, bam, même si, ok, il va y avoir l'organisation 13 de tout milieu, je dois me refrapper les mondes, en fait. Ça sonne retour en arrière pour moi, tu vois. Du coup, ça motive pas du tout. Three more to go. How do you know? A pirate must have a keen eye, else he won't be sailing free for very long. Sevi? What? What's that? Par contre, refaire les zones de Skyward Sword, c'est révolutionnaire, mauvaise chose peut-être. Mais Nico, pardon, vraiment, je vais te le dire, tu es con. J'adore Skyward Sword, donc évidemment, me retaper les mondes, ça va pas me gêner. C'est pas une histoire de mauvaise foi. Kingdom Hearts, c'est pas un jeu qui me plaît. Le 1, j'ai détesté. Chain of Memories, il y avait du mieux. KH2, ça va, je le trouve meilleur que le 1. Mais encore une fois, comme je vous ai déjà dit dans un live, je préfère me taper Life is Strange 1, que je peux pas se blairer, que Kingdom Hearts 2. Faut vraiment comprendre. Donc évidemment qu'il y a une différence. Zelda, j'adore, ça me dérange pas de retourner dans les zones. Et encore que c'est toi qui as une mauvaise foi, parce que Zelda Skyward Sword, pour le coup, tu as des nouvelles zones. Ça n'a rien à voir, tu as des nouvelles zones. Oui, tu retournes dans les zones, mais tu as des nouvelles zones, des nouveaux endroits. Là, pour l'instant, on est aux mêmes endroits, mais bon. Mais évidemment que ça n'a rien à voir. Tu as un jeu que j'adore, et un jeu auquel j'ai beaucoup de mal à adhérer. J'y adhérais un petit peu ces derniers temps, parce que pour le coup, je m'y prenais à l'histoire, et là, voilà, on me refile des trucs qui me motivent pas, évidemment. Enfin, soyez logique dans vos têtes, les gars. C'est normal. Maintenant, on va essayer d'avancer. On a bien avancé dans le jeu, on va continuer, mais bon. C'est vrai que j'aurais préféré une autre tournure, hein. Pièce maudite, ok, ça c'est fait. Ok. Jack, que s'est-il passé? C'est affreux. En effet, mais à qui la faute? Certainement pas Elisabeth. C'est l'organisation 13 qui est derrière tout ça. Ça ne fait aucun doute. Où ont-ils bien pu passer? L'homme encapuchonné a disparu avec les pirates et ses créatures en entrant dans un étrange passage. Nous les observions depuis la cabine du capitaine. Il ne t'est pas venu à l'idée de te battre. Soyons réalistes, je ne suis pas de taille face à eux. Voilà qui est lucide. Sora, nous allons avoir besoin de ton aide. Entendu. Commençons par retrouver toutes les pièces. Sans elle, la malédiction ne pourra être conjurée, les créatures resteront invincibles. Ok. Du coup. Tiens, déjà on va récupérer ça.
coup, que dois-je faire? Je te reparle. Ah, voilà, nouvelle zone. Là, je dis oui. Alors, récupère la pièce avant que le Simlin s'enfuit. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Bon, après, les nouvelles zones, très honnêtement, c'est pareil. C'est une grotte avec des cailloux. C'est pas non plus la folie. Mais bon, encore deux pièces à retrouver. Chercher d'autres simili. Ici ou pas? Récupère la pièce avant que le simili ne s'enfuit. Il est où? Il est là-bas. Go! Non! Go! Par contre, certains ont dit que j'allais en chier comme pas possible sur ce niveau, mais ça va au final. Ah, on est de retour ici. Alors, je sais où il faut aller. Il faut aller là. Non, c'est pas ça. C'est pas ici. Putain, mais je suis déjà allé ici. Où est le mec? Alors, retépez moi où j'étais. Où est le dernier gars que je cherche? Retourne dans la zone du milieu. C'est bon, tu as pris les deux pièces d'ici. Comment ça, les deux pièces d'ici? Genre, il m'a pas précisé. Enfin, il me dit qu'il y a trois pièces, mais pourquoi il n'y en aurait que deux ici? Faut que j'aille où, du coup? Faut que j'aille à l'île de la... Je sais pas, on va essayer d'aller là. Oui, je vous vois débattre sur le fait que ah, n'y joue pas si t'aimes pas, machin et tout. Sauf que j'ai déjà répondu 10 000 fois à ça, en fait. Donc, je vous laisse débattre entre vous dans le chat ou les commentaires, mais vous savez que ça ne change rien. Si j'ai envie d'y jouer, j'y joue. Point barre. Ok. Par contre, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, il faut que j'aille ensuite. Si je fais les caches, c'est pour pas mourir con, tout simplement. Et c'est pour essayer de comprendre aussi ce qui fait que les gens vénèrent à ce point-là ces jeux. On n'est pas obligé d'être méga fan d'un jeu pour y jouer en fait. On peut juste être curieux quoi. Et avoir envie d'essayer d'essayer le jeu. Ce qui est mon cas pour le coup. Bah, je sais pas. On est à Kingdom Hearts 2, on est sur le troisième jeu, on est au milieu du jeu et vous comprenez toujours pas le fait que je n'aime pas cette licence et que je me force à y jouer pour essayer justement de découvrir ce qu'il y a de cool dedans. Genre, je l'ai dit dès l'annonce des let's play, genre même pas lors du premier épisode du premier let's play, je l'ai dit dès l'annonce. Et ça n'empêche pas que je passe des bons moments quand même, tu vois. Genre là, pour le coup, sur tout le let's play qu'il y a H2, globalement, il y a eu des bons moments. Là, j'avoue que ça m'a mis un petit coup derrière la tête, le fait de devoir refaire le monde, mais on va voir. Je suis aussi suffisamment objectif pour vous reconnaître que bah, H2 est bien meilleur et que je passe du bien meilleur temps sur H2 que sur H1, ça c'est sûr. Par contre... Parce que là, si je vais dans la cabine, ça va pas me TP à l'île de la Muerta, si. Je crois pas. Aïe. Parce que tout à l'heure, ça ne l'a pas fait. Tu vénères qui me démarre, si tu comprends, tu vénères Zelda, c'est leur enfance. Tu comprends, personne n'était Zelda, ou peut-être qu'il était KH2, KH2, c'est normal. Ah non, mais... Je sais bien qu'il y a une énorme part de nostalgie hein, dans les gens. Et encore plus sur Kingdom Hearts, quand même, jeu, vu le côté fanservice avec Disney et tout. Mais de la même manière que moi, je vénère Zelda, moi je vois d'énormes qualités dans Zelda, tu vois. Et j'ai fait découvrir la licence Zelda à énormément de gens. Il y a plein de gens qui viennent me voir en convention et qui me disent que je leur ai fait découvrir Zelda. Donc, si plein de gens vénèrent KH2, bah je me dis, ah putain, il est là. Je me dis, c'est qu'il doit y avoir des trucs cool aussi, tu vois. Genre, je suis pas fermé. Donc, justement, j'ai envie de découvrir. Attends, sérieusement, par contre.
Ah, le sinistre s'enfuit. Donc c'est pour ça que moi je fais les caches. En vrai, j'aurais commencé par cache 2 sans les autres, je vous dirais, c'est cool le cache. On récupère la pièce de Simi cachée. Il est là? Non. Putain, il est où? Il est où? Non. Attends, je comprends pas. Ah, il est là! Il est là, il est là! Mais fous-moi la paix, toi! Laisse-moi lui! Vas-y, wesh! On est marre! Fusion! C'est bon, là! Du coup, je l'ai, non? Donc, je peux me casser? Il est encore là? Ouais, perfect. Pourtant. C'est bon, je l'ai eu cette fois. Ok, on a réussi. That's four medallions. We got them all. But where's the chest? If we find the hooded man, we'll find it. Probably in Port Royal. Why's that? Organization 13 is after people's hearts. So they're gonna go wherever there's lots of people. They'll hurt the townsfolk? No, they're bringing them flowers, mate. I don't know who these organizers are, but I will say they're making we pirates look like proper gents. Well, Jack. Then, we have to help. Then let go and hold a run free. Okay. Alors on va partir pour Port Royal, hein. Ok, bah vas-y, on y va. Let's go. Alors, au moins, on n'a pas la. On doit pas se TP. On doit pas se faire les ennemis. Go, he's for me. Now to break that curse. Mais du coup, par contre, je vois moyennement le rapport avec l'organisation 13 dans tout ça. C'est surtout l'histoire de Jack, là encore, qu'on approfondit. Understand? Jack must have been cursed by that monster, not from taking the gold. Oh, I've no worries then. It's okay, Jack. We'll just have to defeat the monster, that's all. Ah. Get the gold. Oui, on a vu un mec de l'organisation, d'accord, mais je veux dire globalement ça tourne pas autour de lui là le scénar. Yeah. Récupérer les pièces et déposer dans le coffre. Voilà. Et alors? Il en reste encore. Mais elles sont où en fait? C'est lui qui les a en fait, mais. Voilà. Avec foudre, ça passe. Ok. Ok. Ouais, je voyais bien que le boss avait des pièces, mais je pouvais pas le taper. Des pièces, please. Aïe. Aïe. Je prends une potion parce que sinon ça me bloque tous mes MP. Go. Ça lui a déverrouillé sa garde. Go. Putain. Oh non. Oh. Foiré. J'ai pas suffisamment de... Ok, contre-carré, j'avais la touche. Ok. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon.
Voilà. Aquilon, cette fois, je le fais bien. Merci. Ouh. Mais ce combat était bien relou. Heureusement que Donald était là la deuxième fois. Parce que sinon, clairement, ça aurait été long. Tchuss. C'est bon? All better. And not quite, mate. C'est parce que tu es pas XP. Non, ça va pas empêcher. Sora. Ça va pas empêcher sur les combats d'avant. Donc, non, c'est pas ça. Là, c'est juste le pattern du boss qui était relou. Just who was that chap? He is part of an organization that's collecting hearts. First, they release heartless into different worlds. We defeat those heartless, then they get the hearts. We're never gonna stop them like this. What's the plan then? We gotta find their stronghold and finish them off, once and for all. Sailing these waters, I've heard some tales, but not a one like this. Is there any way we can help? Anything at all. There is. Rapport d'Ansem. Ah putain, c'est vrai qu'il faut que je les lise. Rapport secret. Je les lirai à la fin quand je les aurai tous. Je te conseille le château de la bête après. Château de la bête? Ok. It's certain we don't need the likes of that hooded fellow and the heartless about. They'll ruin the market for us true pirates. So that's why you went to Port Royal. And we thought you actually wanted to save everyone. A pirate always looks to profit, Miss Swan. Too bad. You had us going there thinking you'd turned over a new leaf. The question is, what's beyond the leaf, savvy? Oh yes. A reward. And what'll it be? That lovely blade of Sora's. Huh? Okay, sure. Hold on, that was far too easy. What's the rub? Now there, you see? Well, you've always got the pearl, Jack. That I do. But someday I'll gather a bloodthirsty crew and come to take that blade. Chance by then, I'll have the way to wield it. And if I succeed, I'll ask you two to join me. That'd be reward enough. Juste, vous inquiétez pas le chat, c'est pas grave, mais je vois tout le monde qui félicite Kiro Bros qui a banni à temps un spoil. Si vous parlez du spoil du monde de Mulan et de la personne qu'on va voir dedans, je l'ai lu. Voilà. Merci à la personne. C'est pas très grave, de toute façon. Mais du coup, on n'ira pas. Done. Je tenais à rétablir la vérité parce que vous êtes tous dans le chat en mode. Oh, putain, heureusement, il l'a pas vu. Sorry. He and Sora are. Mais c'est pas la faute du modo, c'est moi qui lis trop vite le chat en fait. Are not. Mais c'est pas grave. Du coup. Some say Jack Sparrow's the worst pirate ever to sail the Spanish Main. No one could really mean that. Right. We know he's the best. Par contre, qui m'a dit que c'était plus court, les niveaux? Là, c'est pas forcément plus court. Hein. Moi, je trouve pas. Ok, on a fini. J'ai déjà ça. Ah, on a redéverrouillé par là-bas. Okay. Hey, les amis, je reçois un signal très bizarre. Ah bon? Laisse-moi voir. Regarde, c'est flou et nuageux. À mon avis, c'est juste un petit défaut. Je n'en suis pas si sûr. Bon, du coup, la belle et la bête, c'est ici? Non. C'est où la belle et la bête? C'est là? Château de la bête. On y va. Tonight goes well. So do I. But I wonder why he's so nervous. The master does have his shy side, you know.
Salut. Pas de 100 cœurs ni de 6 milli. Pourtant, ils ne doivent pas être bien loin. Ouvrons l'œil. Il leur parle même pas. Le mec s'en balait qu'il ne leur parle même pas. Alors, moi, je vais voir. On devrait parler à la bête d'abord. C'est vrai. C'est pas con. Mais bon, vu qu'il a pas parlé, cinématique un peu stupide. Du coup. Il aurait pu parler direct. Pourquoi es-tu en colère? Que faites-vous ici? Nous cherchons le passage vers le monde des Simili. Ah bah elle arrive même pas du bon côté, moi je partais à gauche. Tonight is very important. Ah oui. Maybe we came at a bad time. Well, there's only one way to find out. Donald! Monsieur, mademoiselle, please enjoy the evening. Hello. And of course, our honored guests are welcome too. A welcome indeed. Et comment ça se fait que là tous les membres de l'organisation 13 ils soient chacun dans un monde comme par hasard là? Enfin... Oui, parce qu'ils viennent chercher les cœurs, c'est sûr, c'est pour ça. Get out. Allez, en gros là ils vont tous se révéler un par un si j'ai bien compris, ils vont enlever sa capuche. C'est pas ça? Non, c'est peut-être pas ça. I've come to take something you hold very dear. Yes, let your anger grow. Alors. On va se les faire. Beast, we have to get rid of these guys first. Alors désolé, mais là, Donald, 100%. Il m'a sauvé la mise, du coup il a gagné. Il a enfin gagné mon cœur, Donald, après 3 jeux. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Chaque fois, je vais pas sur la bonne fusion, mais c'est pas grave. Ok. Donald Tovin, il a gagné ses positions, c'est ça. Où est Belle? Je suis là. Ok, alors oui. Ouf, elle est indemne. On dirait que Xaldine n'a rien pris finalement. Je vais regarder la forme maîtrise, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe? Belle? Qu'est-ce qui leur arrive? Belle n'est peut-être pas la seule chose importante aux yeux de la bête. Allez! On va voir après la pause, les amis. Ne bougez pas, on fait la pause et on se retrouve pour la dernière partie juste après. Merci d'avoir été là pour cette partie malgré la petite rage des familles. Mais bon, c'est ça qui est bon aussi. Et on se dit à tout de suite.